Narciso Francese al Napoli. L'espace blanc accueille la vie et la mort dans un cadre féerique sur le continent. Calais, terre d'accueil et de refus, est à son tour le lieu symbole des contradictions, de murs et de ponts. L'espace blanc. Libre adaptation du reportage d'Emmanuel Carrère, Lettre à une Calaisienne. Et des morceaux choisis d'Éric Delecat. Nable l'État. Thank you.
sono gené molti posti. Ampoigne sa caméra e monte in sa voiture, lui è l'agent service de la place d'armes. Posso dalla jungle con un solo franc. Thank you.
se mette en cas. On les accueille à bras ouverts. On s'occupe qu'ils soient bien au chaud. Alors ok, et la guerre chez eux, et on dit qu'ils sont pauvres. Mais quand vous êtes pauvres, vous n'avez pas un portable de 600 euros et des baskets plus chères que les miennes. Oh, ne vous inquiétez pas, ils sont plus riches que vous. Ils ne payent pas d'impôts, ils sont logés, nourris, blanchis. Et les associations leur donnent tout ce qu'ils veulent. Avec les sous, ils vont chez Brécomont s'acheter des tournevis, des marteaux, des scies électriques. Tout ce qu'il faut pour voler, pour couper des rayages et pour casser tout ce qu'ils peuvent casser. Et qu'est-ce qu'ils payent? Nous, avec nos impôts. Et maintenant, en plus, on leur fait passer le permis de conduire, alors que mon cousin, il n'a pas le moyen de se les payer. Ah bon? On leur fait passer les permis? Oui, je l'ai vu sur Internet, et j'en ai vu deux qui sortaient de l'autocolle avec leur permis. Ils étaient fiers, je peux vous dire qu'ils avaient le sourire. Puis au supermarché, vous avez vu leur caddie, plein ras-le-bol. Des sachets de 10 baguettes, des coca par pack, des chips, et puis de la marque. Ces caddies qui débordent, c'est horrible, horrible. Tiens, alors il faut les courses. Oui, en plus ils ont des magasins dans leur jungle. C'est légal ça. Sans payer les taxes comme un magasin français. Les Français sont laissés de côté par l'État. Nous, on doit se débrouiller tout seul. Et eux, on leur donne tout. Ils jettent des projectiles du haut de pont. Ils traversent l'autoroute n'importe comment. En français, pour ça, ils iront en prison. Eux, ils ont tous les droits. Moi, je me dis maintenant, s'il y en a un qui traverse l'autoroute devant moi, je ne ralentis pas, je fonce. Et en ville, il marche à moins de 30, de 40. Il regarde au travers et cherche qui voler. Mes frères ont 17 et 21 ans. Vous allez en ville, vous êtes tous seuls. Et eux, ils sont blancs. Vous vous êtes fait refaire? Non. Et vos amis? Non. Vous connaissez quelqu'un qui s'est fait refaire que je pourrais rencontrer? Non, mais il y en a. Il y a une femme à côté de moi. C'était chez elle. Et maintenant que les migrants lui ont rendu la vie impossible, c'est à elle de partir. Elle a fait une vidéo. Vous pouvez la voir sur le site des Calaisiens en colère. Ils ont voulu s'organiser pour se défendre. Mais ils ont dû pas arrêter. Parce que c'était devenu trop dangereux pour eux. C'est des pères et des mères de famille. Et eux, personne ne les protège. La police leur a dit qu'elle pouvait le protéger, qu'ils n'avaient pas le droit de protéger les Français. Vous savez ce qui est écrit à l'entrée de leur camp? Un flic, une balle. I was running far away.
bandage. Nous t'avons semé de noyer plus que n'importe quel âge les tempêtes. Bien les gens, elle leur sourit, elle s'intéresse à eux. Les enfants
la jungle vient jouer avec le mien. La petite les appelle les voisins. Et le plus grand, le malheureux. Je sais bien qu'il y a des viols, des saloperies. Et j'en veux des cinq connards qui pourrissent la réputation de 6 000 personnes bien. Mais ce n'est pas pareil à Calais. Est-ce qu'il y en a partout des connards? Mais alors, pourquoi vous vivez avec vos persiennes toujours fermées? Pourquoi, hein? Pourquoi vous vivez dans le noir? Le jour de mon départ, je suis retourné route des Gravelines. Et je sais bien que ça n'a pas de valeur statistique. Mais ce jour-là, à 11 h du matin, les volets de sa maison étaient ouverts. E la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesi, ogni nome il sigillo di un lascia passare. Per un quadro, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire sul mondo. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti non parlo mai i segreti che fanno paura finché un uomo ti incontra e non si riconosce. Il y a le feu à la forêt, tous les animaux prennent la fuite. Le colibri sole vole jusqu'à la rivière, rempli d'eau son muscle bec, un repas tire d'elle, un berceau le contenu sous la fournaise. Il fait des allers-retours comme ça toute la journée, et quand un hippopotame lui fait observer que si quelques gouttes d'eau sur un aussi grand incendie, c'est dérisoire, le colibri répond. Peut-être. Moi, je fais ma part. À force d'y être lente, porto il nome di tutti i battesi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare. Per un quadro, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunire sul mondo. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti non parlo mai i segreti che fanno paura finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, we'll be right back.
i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. E poi Mirka San Giorgio di Maggio tra le piante dei fiori a ridere e a bere e un sollievo di lacrime andava negli occhi e dagli occhi cadere. Celesti dei polsi, anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa cammina, ai miei occhi lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio. Grazie a tutti.